Bonjour et bienvenue sur GeekMPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog, donc tout se passe sur le blog. Aujourd'hui, je vous présente une mini voiture radiocommandée L353 de VToys, dont le but était d'offrir une bonne vitesse à un enfant de 8 ans. Elle est livrée avec sa radiocommande, une batterie et un chargeur avec une prise Europe. La carrosserie n'a pas hyper bien résisté, mais ce qu'on lui demande d'abord, c'est d'être rapide. Donc la vitesse, c'est 25 km/h avec une bonne accélération. Cette voiture ne se destine pas à aller, malgré son look, aller dans l'herbe et faire du tout-terrain, mais bien à faire de la route et procurer des sensations de vitesse toujours pour un enfant. La distance de radiocommande est donnée pour 30-40 mètres. Nous, on est allé jusqu'à 30 mètres sans trop de problèmes. 40 mètres, on n'a pas trop testé parce que c'est difficile de voir une voiture de cette taille-là à cette distance. Comme je le disais tout à l'heure, cette voiture n'est pas faite pour le tout-terrain. Ici, le pilotage par un enfant de 5 ans, ce n'est pas évident à cette vitesse. Ici, pilotage par l'aîné de 8 ans. Le pilotage est plus aisé après un petit temps d'adaptation. À fond. En conclusion, pour le prix, cette voiture fait le travail. Elle est rapide. En revanche, pour la résistance, seul le temps nous le dira. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou aller visiter le blog.